podcast. Et tchou, c'est parti mon kiki. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit GLG part en live du dimanche en mode GLG part en live et en mode également podcast en version courte. Donc il y aura pas les 3 minutes à l'avance et il y aura pas toute la fin FAQ pour le podcast, mais vous aurez l'essentiel du programme, un programme extrêmement chargé puisque j'ai des idées plus qu'il n'en faut. J'ai lu dans un podcast une idée quand vous avez trop d'idées. Après, il faut les revendre. C'est ce que je vais faire. Voilà. Ça, c'est toutes les idées que j'ai pour les podcasts, les machins, les sujets et tout. Il y en a qui a dit, voilà, quand vous avez trop d'idées que vous ne pouvez pas toutes les faire, il faut les revendre, vos idées. Je pense que c'est ce que je vais faire. Personne ne les achètera, mais... c'est ça. Donc, il y a un programme est plutôt chargé. Vous trouverez le programme dans la description. J'ai complètement oublié de vous parler des petits des sujets comme ça que je peux vous poser comme ça. Donc ça sera freestyle. J'aimais plein de beaucoup. Qu'est-ce que j'aimais de bien? Il y a un nouveau Tipeee, hein, tiens, qui me demandait. J'ai refait les paliers Tipeee, mais ça on en parlera seulement avec WTS. Et après j'ai plein de trucs. Faut que j'enlève ce que j'ai déjà fait. Et que je fasse ce qui n'est pas encore fait. Qui peut bien avancer le dossier. Bonjour à tous, merci à tous ceux qui sont là un petit peu en avance, ça fait plaisir. Le timer est endiablé aujourd'hui, hein. J'ai 2, et 10, et 20, et 30, et 40, et après 50, on est en freestyle. C'est bien, j'ai plein de sujets à vous parler, j'ai plein de films et séries télé, j'ai regardé plein de films et séries télé, enfin pas plein, j'ai regardé un petit peu en fonction de mon temps, mais j'ai regardé pas mal de trucs bien, des trucs peut-être un peu moins bien, mais voilà, le but c'est de vous partager un petit peu tout ça, de parler des sujets du jour. Alors j'ai essayé de mixer, parce que à chaque fois que j'ai un sujet, je fais faire un article par ChatGPT. Alors, je donne mon sujet et je demande à ChatGPT d'écrire mon sujet pour faire mon logiciel geek et l'autre. Et ça marche. J'ai vu, il y a des petits cœurs passer sur le chat. Si c'est normal ou pas. Allez, on parle du programme de la semaine. Qu'est-ce qu'il y avait donc cette semaine sur GLG Review et GLG Vidéo? Alors, cette semaine sur GLG Review, il y avait donc le Doogie V20 Pro. Encore une fois, il est ciblé, mais il était quand même plutôt pas mal, ce téléphone-là. Moins ultra ciblé que l'autre avec la caméra thermique, mais plutôt sympathique. Milieu de semaine, il y avait donc le Hot Wave Cyber X. Pas la version, lui. Il était très content, le gars de chez Hot Wave. Il s'est dit, oui, c'est bien, c'est quali, c'est propre et tout. Voilà, ils aiment beaucoup les reviews et tout. Encore une fois, là, le but, c'est je fais les reviews comme il plaît. Et j'essaie de plus en plus, c'est de prendre du plaisir dans les reviews, de rigoler, de dire des bêtises. Pas trop, mais un petit peu quand même. Voilà. Et donc ce samedi, donc hier sur GLG Vidéo, il y avait donc le bracelet Apple Watch, le pire bracelet de l'histoire de l'humanité, comme dirait Merej. Bracelet en corde et tout, très joli, et en plus qui peut te sauver la vie. Le but c'était de faire un truc pour comparer un peu avec le tuto de la semaine dernière. Samedi prochain, ça sera plutôt un tuto, on reviendra sur un tuto, le pourquoi du comment, pour voir un peu. Lesquels des deux formats marchent le mieux? Où est-ce que les deux formats sont bien accueillis? Et dans ce cas, il pourrait y avoir deux formats par semaine sur GLG Vidéo. Puisque on a bien vu que j'arrivais relativement à pseudo-automatiser les reviews pour faire des podcasts et choses comme ça. Il y avait également un nouveau format sur JT Geek, le blog, en mode tuto smartphone, puisque on peut gagner 4 852 $ par mois en faisant des trucs automatiques avec ChatGPT, parce que tous ces putains d'escrocs de youtubeurs, je vais les défoncer, là, je vais leur faire une vidéo en disant que des mythos. D'ailleurs, je suis tombé sur une autre chaîne qui dit voilà, c'est que des mythos. Les reviews à venir cette semaine, pendant qu'il me reste quoi? Je suis bien, on a dit qu'on commençait à 10. Alors, normalement, mardi, il y aura donc le Kubo King Kong Power. Un smartphone qui a la particularité d'avoir deux LED qui éclairent jusqu'à 5000 lumens. Ça veut dire que ça éclaire quand même sévère. Mais ça fait téléphone et maglite, presque. Voilà. Exactement la vidéo de mardi, puisque les autres n'ont pas encore payé. Donc on attend qu'ils payent, après on met en ligne, sinon c'était la misère. J'ai une vidéo avec Disque Drill, un système de récupération et tout. Alors il voulait une review, mais il voulait un comparatif. Heureusement que ChatGPT est là, parce que là j'avais aucune idée comment présenter le dossier. J'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit voilà ce qu'il faut faire, comment faut le faire, voilà les trucs, les impératifs et tout. Il m'a fait un truc trop bien, elle était contente la meuf, voilà. Donc il y aura une vidéo avec Disque Drill. La vidéo pour éclairer derrière la télé, alors j'ai déjà mis la vidéo sur mon Instagram en story. J'ai eu combien, où on la chaîne, je le veux et tout. L'effet, il est incroyable. La vidéo tombera dans la semaine avant, je pense. Mardi, il y aura ça. Et après, on aura quasiment jeudi et peut-être au samedi pour mettre les deux autres reviews. S'ils n'ont pas payé, sont payés, ça passera la semaine prochaine.
Le Kubo, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai marqué là? Ben, ah oui, j'ai l'i6 qui est donc pour la semaine fin du mois. Le Dreamy R20, nouveau aspirateur balai ou robot aspirateur, j'ai aucune idée, mais bon. Il est on the way, j'ai le tracking et tout. Il y a Idi aussi qui m'a contacté pour leur nouveau robot station et tout. Elle voulait pas. Tu sais, tu donnes un prix, enfin, allez, comme notre produit populaire, on vous en donne la moitié de votre prix. J'ai dit, ben non, merci, au revoir. Pas de réponse, mais bon, d'accord. On accepte. Donc là, c'est le Idi Cube. J'ai également reçu les nouveaux produits Gravastar aujourd'hui. Déjà, ils voulaient promouvoir leur nouveau chargeur en forme de robot, mais nouvelle couleur, édition limitée. Et elle m'a dit oui, parce que là, ça faisait un peu cher pour un chargeur. Mais si on vous envoie les deux, vous faites les deux dans la review. Et en même temps, ils sont super sympas, les produits, avec le design. Alors, c'est pas le design Transformer du robot, mais les nouvelles séries limitées, peint à la main par des enfants de 12 ans. Non, là, c'est 14 ans, ce qui est quand même de la finition qui est bien. Mais le produit est plutôt sympa, ça fait plaisir. Yadea qui m'a recontacté. En fait, Yadea, c'est un projet Indiegogo pour une trottinette qui ressemble un peu à la trottinette suspendue Xiaomi qu'on avait vue. Et la meuf, elle avait complètement disparu. J'ai vu que The Ija, il avait testé la vidéo de la reine trottinette. Donc je me suis dit, bon, c'est passé là. Elle me dit, non. Pour les États-Unis, ils traitent en direct. Mais pour l'Europe, c'est elle qui gère. Et ils attendent qu'il y ait de la production et qu'il y ait assez de produits. Et je recevrai donc bien cette nouvelle trottinette Yadea Elite Pro. Elite Pro, c'est tout moi. Oukitel, normalement, on va avoir le Oukitel W21. On aura. Alors, au niveau des tablettes Dougie, il y aura. Ils vont sortir trois tablettes, la T10, la T20 et la T30. Et ben, on les aura toutes. Comme ça. On aura justement un Versus T10, T20, ça va être deux tablettes entrée de gamme. Et on aura la T30 qui aura sa review toute seule. La tablette T-Class T50 Pro, elle a dit qu'elle me l'a envoyé aussi. Red Magic 8S Pro aussi. On avait une marque qui nous a contacté pour une grosse batterie onduleur, machin, 3000 watts et tout. Et la meuf, elle m'a cassé les couilles, je fais laisse tomber. Au début, c'est une facture. Ok, une facture. Quelle adresse? Ah, mais en fait, non, on préfère payer par PayPal. Genre, dans ce cas, PayPal, il faut attendre que j'ai le produit. Puis il faudra faire un contrat. Mais vous avez les contrats? Je n'ai pas de contrat. On fait des reviews. Je dis ce qu'on va faire et voilà, je vous mets sur la facture. Et arrêtez pas de me casser les couilles, je dis bon, laissez tomber. Ah, mais. Non. Arrêtez de me casser les couilles. Oui, mais nous, beaucoup à la marque, je les connaissais. Personne ne connaît cette marque. Vous restez dans l'anonymat là-bas, c'est bien. Et je suis contacté par une marque, un Français qui m'a contacté en France, qui a une agente. Il travaille avec Anker et tout. Pareil, il a une batterie. Avant le 10, ça va trop bien. Alors, ce que vous faites, mec, il m'appelle. Il nous envoie le produit. Bah écoute, on est le rond, tout va bien, porte de produit, pas de réponse du mec, tout va bien. Mais du produit en veux-tu, du produit on aura. Il y a plein de trucs. Déjà, la semaine prochaine est assez chargée. Et ensuite, fin du mois, après, ce que j'ai prévu d'impératif, j'ai quoi? Hot Wave, c'est bon. Après, à part le Dreamy et la IADA, hein, la IADA. Ah non, j'ai le projecteur IABA aussi. J'ai reçu également ça, un projecteur. Yeah. Projecteur IABER. Non, c'est IABER. Avec haut-parleur JBL apparemment. Compatible. Alors c'est marrant parce que je regardais la vidéo de Vodka Prod. Ou Vodka. Et il parlait de son nouveau système Home Cinéma, tout ça. Ah oui, j'ai pas de micro. Hein. Il y a le mode dans la caméra. Donc c'était rigolo. J'ai ça aussi. Et donc le petit haut-parleur et tout. On est bien. Ce mois-ci, franchement, j'avais peur de m'ennuyer. Heureusement, ça va. Bien chargé comme je l'aime. Allez, il nous reste 2 minutes donc avant de faire le burn out que je peux préparer ici dans le truc. Voilà, comme ça c'est bien. J'ai préparé le programme. Nanana, ici il peut voir YouTube de la présent les erreurs 13 de 13 à 23. Ok, ça c'est bien. Ok, je peux laisser comme ça en gras. C'est bien en gros en gras. On lit un peu les commentaires et voilà. Bonjour à Sébastien qui était là à 13h55, c'est pas mal. Bonsoir à John. Sébastien, n'oubliez pas les pouces en l'air, bien évidemment. Vous êtes 17 en ligne. C'est bien. On en parlera dans les trucs de YouTube et tout, puisque ChatGPT est peut-être mon sauveur, hein, malgré tout, au moins dans les titres. Il me propose des titres que des fois je me dis. Ouais, en fait c'est pas mal. J'aurais pas été aussi fort, mais moi je suis plus dans le classique basique Orelsan. Bonjour à Koto, bonjour à Shadow, notre modérateur est là. Lolo, c'est le grec, comment vas-tu? As-tu testé Temu? C'est quoi Temu? Temu? T'as mué? J'ai mué? Temu? Je sais pas du tout ce que c'est Temu. Temu? Vous me sortez là? Ouais, t'as testé. Je sais même pas de quoi tu parles. Qui tu es d'ailleurs? Bon,
On prend le chat tout à l'heure. Il est donc Edis. YouTube et le burn-out, c'est un sujet qui revient. Nota Bene, on a reparlé, il fait un supplément Nota Bene sur YouTube, la vie de YouTube, son expérience. Alors, ça fait plaisir qu'il a dit oui. Alors moi, je suis sur YouTube depuis longtemps, j'étais là depuis 2011. Regardez, j'ai dit, moi alors. Moi, 2009. 2007. Donc, bon, je vais dire, voilà. Bon, lui, il a 1 million d'abonnés. Mais bon, après, c'est pas grave. Hein. Chacun sa cible, chacun son travail, chacun son métier, et les vaches seront bien gardées. Et cochonne. Bon, YouTube pousse dans burn-out. Alors, c'est vrai que c'est un truc qui revient vachement souvent, c'est que tout le monde pense, ouais, mais YouTubeur, c'est bien, c'est la liberté. Pas du tout. YouTubeur, c'est pas déjà travailler pour YouTube, c'est utiliser la plateforme YouTube pour proposer un contenu. Et c'est surtout, en fait, être auto-entrepreneur de ton business et tu te sers de YouTube pour le promouvoir. Alors, soit tu vis de YouTube et avec le CPM et tout comme ça, et les vues font... ta rémunération, et bah dans ce cas, voilà, tu sais, quand même, c'est quand même YouTube est un peu maître de ton destin et surtout de ton salaire. Soit tu as un autre business model, bon, après, c'est toujours contenu sur les vues, mais tu arrives à faire rémunérer. On parlera surtout de ceux qui font du divertissement. Divertissement, c'est opération sponsor et nombre de vues. Pour les YouTubeurs tech, c'est vrai que c'est un peu moins parce que nous, les marques, on arrive à une certaine notoriété. Les marques nous payent pour faire la review, donc on est sûr d'avoir un minimum d'argent parce que les reviews, chaque review est facturée tant, voire plus, si affinité. Et quand je dis YouTube, vous en parlez, alors, il y en a beaucoup qui craquent en ce moment, parce que on a vu que le niveau YouTube a fortement augmenté, et ça on le voit par exemple dans le divertissement. Aujourd'hui, si vous êtes fait un truc à la con et tout, et quand on regarde par exemple maintenant ce que propose, je sais pas, les formats d'Amixem et tout, c'est chiadé. Il y a une équipe, il y a un studio, machin comme ça, je parle même pas de Joyka ou tous les machins qui ont des. Avec le Lot et choses comme ça. Le format a vachement, vachement augmenté et le niveau est élevé. Ce qui est un peu moins le cas pour nous dans le tech, ou à part Marcus Broly qui dit lui. Il a un robot caméra à 200 000 euros pour filmer des trucs. Il dit voilà. Donc, si vous voulez arriver à faire des plans aussi stylés que moi, il vous faut un robot à 200 000 euros. Donc, le droit d'entrée est quand même relativement élevé. Il a les caméras raides et tout. Mais, dans le francophone, on est peinard. Généralement, tout, le plus gros, c'est le LOL. Et niveau vidéo, ça va, quoi, tu vois. À part le prix des flippers derrière, ça reste de la caméra. Il n'y a pas d'effet de fou, quoi. Il n'y a pas d'investissement de fou. Il y a des caméramans, il y a pas mal de choses comme ça. Mais le niveau n'est pas trop, trop haut. Et le problème de YouTube, c'est un, déjà les erreurs qu'on fait sur YouTube, et ça c'est des erreurs que moi j'ai fait, et je me rends compte, puisque quand je ne les fais plus, je vois bien que par rapport à la différence par rapport à avant, et ben c'est pas du tout. Notamment un, nous, c'était le ciblage FR, avec les pubs qu'on faisait sur Google Ads, machin là, où on mettait vas-y, envoie, les fais-toi plaisir, et que du coup, ben, on avait un peu de tout, et que ben, c'était pas bon pour le ciblage, qu'il faut, quand t'as un public francophone, il faut cibler les francophones, en priorité, la France, la Belgique, la Suisse, on voit, on a pas mal, un peu du Canada, et on a aussi pas mal en Côte d'Ivoire, tu vois, comme quoi ils sont francophones. Un, ce qui est important, c'est le watch time, et ça, on l'a vu depuis, depuis un petit moment que je vous en parle, c'est que beaucoup de youtubeurs ont réduit leurs vidéos à 10 minutes, puisque on se rend compte qu'au-delà de ça, les gens ont pas soit assez le temps, soit pas assez d'attention. Il faut que les vidéos fassent relativement courtes. On en parlera tout à l'heure. 1. L'interaction avec les membres. Plus il y a d'interaction, plus tu as des chances que ta vidéo passe en tendance. On le voit par exemple sur les vidéos Karate Bushido, tout ce comme ça. S'il y a beaucoup de commentaires, que les mecs ils se battent entre eux et tout, ouais, je peux dire c'est top. La vidéo passe en top tendance. Il faut qu'il y ait du like. Il faut aussi qu'il y ait du dislike, étonnamment, puisque une vidéo qui a beaucoup de likes et un peu de dislike, ou des fois un peu égalité, YouTube aime bien. Oulala, ça fight un peu, donc ça met beaucoup de commentaires, forcément, et il y a de l'interaction. Les gens, bah, du coup, quand ils répondent à leurs commentaires pour dire va te faire voir au papa où t'es là-bas. Voilà, donc l'autre, il clique, il revient sur la vidéo, donc quelque part, ça relance la vidéo automatiquement pour aller répondre à son commentaire. Vous avez vu comment le nombre de vues peut facilement augmenter. Et le trend, alors le trend, c'est évidemment bah, le côté un peu tendance, hein. Il faut faire ce qui est tendance sur YouTube. Si vous faites des choses qui ne sont pas tendances, forcément, votre trafic s'en ressent à fond les ballons. Ce qui est un peu le problème aussi du high-tech. Si tu fais des trucs qui sont tendance, le Apple, alors le masque Apple, on en a bouffé à toutes les sauces, mais tu fais des produits qui sont un peu plus... ciblé et qui répond des niches, forcément tu feras moins d'audience parce que tu ne seras pas dans la tendance de ce que les gens recherchent sur YouTube, le Divin Pro, même si la vidéo a plutôt bien marché, même en anglais, voilà, les gens ils ne s'attendaient pas comme la conférence Apple. Ensuite, le putatitre, j'ai vu le truc, c'était plus joli que le putatitre, c'est évidemment faire un titre incroyable en disant nanana, et la vignette.
Ah, les vignettes, les têtes de demeurer. Je crois que c'est Ludo qui en parlait la dernière fois. Il dit, ouais, les gens disent, ouais, ils aiment pas trop quand tu fais des vignettes. Ils disent, oh, ah, comme ça. Eh ben oui, mais la vignette, c'est important. Parce que quand on voit une expression, on dit, oh là là, il s'est passé quelque chose. Les gens entendent en stupé. Le problème, c'est de crier au loup, c'est de le faire à chaque fois. Au bout d'un moment, ça marche plus. Mais de le faire de temps en temps et tout. Là, vous verrez celui, bah, Kubo King Kong avec l'intelligence artificielle. Je fais une vignette avec King Kong en mode. Alors, c'est King Kong Power. Donc. Il a fallu que je cherche sur YouTube en disant comment on écrivait le Super Saiyan déjà, parce que je n'avais pas trop d'idées. Et j'ai dit, il faut me faire un King Kong en mode Super Saiyan. Oui, avec le power. Ouais, d'accord. Si tu mettais Pepe Garcia, après, il y avait... Donc, un King Kong en mode Super Saiyan pour qui tient le téléphone comme ça, pour essayer de faire une vignette un peu racoleur. Ben, ça, c'est important. Après, en fait, on voit, nous, par exemple, dans YouTube, si vous avez une chaîne YouTube, on voit que YouTube te met la pression à mort. Ça veut dire que on est tous un peu régis par le nombre de vues où il faut que la vidéo fasse des vues. Généralement, nous, on arrive entre 10 et 20 000 vues. Top miracle miraculeux, où la trottinette, elle est partie, ça n'a plus, hein, elle fait 1000 vues par jour, là, en ce moment, voilà. Partie, je ne sais plus à combien on est, on était à combien la trottinette. La trottinette, elle a pris, non, ça c'est Colan. La trottinette, elle est stable. Ça c'est le V20, la trottinette en 48 heures. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Pourquoi ça fait comme ça de la vidéo, j'y arrive pas, mais voilà. Dougie V20, là, il marque la trottinette. Elle a pris 1000 en 48 heures. Ouais, on est sur la fin là. On est à 500 par jour, c'est pas mal déjà, tu vois. Le Dougie a pris pas mal aussi, étonnamment. La caméra voiture reprend, tu vois. La caméra 360 là, elle reprend aussi, tu vois. Un petit peu, on voit voilà, les tendances. La vidéo sur le BYD à Bangkok aussi, elle reprend un peu pas mal. Donc, il faut faire des vues et tout, et on voit que YouTube te met la pression dans son top 5. C'est-à-dire que quand tu vas dans ton administration, il dit ta dernière vidéo, il te donne par rapport aux stats de tes 5 dernières vidéos où elle est. Toi, ta vidéo, elle dit ouais, meilleur démarrage, et là, tu as des petits cotillons qui clignotent en disant ouais, meilleur démarrage depuis vos 5 dernières vidéos. Là, c'est la fête, tu dis ouais, c'est bien, on est bien parti. Soit il dit, oh là là, par rapport aux autres vidéos, elle est deuxième, troisième ou quatrième, c'est la merde. Et à savoir, c'est Monsieur Sam, je crois, point d'interrogation, hein, je crois, il fait une vidéo là-dessus, on en avait parlé. Il dit, si YouTube, par exemple, ta vidéo, elle fait vachement moins bien que les 5 dernières, du coup, la vidéo suivante, ils te la mettront moins bien en avant. Alors, si tu fais une vidéo qui te plombe tout, qui est dans le top 5, elle est dixième, tu vois, donc elle te plombe toutes tes stats, c'est un peu la merde. Donc là, tu es un peu dégoûté. Et bien, la vidéo d'après, elle sera bien moins mise en avant sur YouTube tant que tu n'auras pas fait de vidéo. Alors, si cette vidéo-là, elle repart en flambée, elle remonte dans le top 5, c'est merveilleux, tu repars dans les bonnes grâces. Si elle ne le fait pas, c'est le cercle vicieux. Ce qui est aujourd'hui mon problème de GLG vidéo, ça veut dire que je fais des vidéos qui marchent bien, je fais des vidéos qui marchent pas bien de temps en temps, comme les lives, hein, par exemple, ça plombe tout, tu vois. Ça veut dire que dans le top 5, ça me fait dégager complet. WTS aussi, on voit, donc voilà, il faut vraiment que ça soit un mix de tout ça, et forcément, ils te mettent en avant le watch time, les likes et les commentaires sur chaque vidéo pour l'interaction. Donc, bah, YouTube te met fortement la pression, puisque, je crois que c'est Monsieur Sam qui en parlait, il disait, il fait les vidéos qui plaisent bien, d'accord, t'entends, il a fait une vidéo qui lui fait plaisir sur sa chaîne principale. Cette vidéo marche moins bien, mais elle lui fait plaisir, et elle correspond à une cible et tout, qui était content de voir ce genre de vidéo. T'as lu, défonce ses stats et les vidéos d'après sont complètement pénalisées jusqu'à ce qu'ils remontent là-bas. C'est-à-dire que tu prends quasiment presque une pénalité au niveau du trafic et de la mise en avant et que les vidéos d'après, eh ben, t'es obligé de ramer pour remonter dans ton propre top 5, ce qui est fou, pour que YouTube te remette mieux en avant et que tes vidéos aient beaucoup plus de chances comme ça. Et c'est pour ça qu'on voit que la plupart aujourd'hui sur YouTube, ils font ce qui plaît. Voilà, et on parlera tout à l'heure pour WTS, je regardais les tendances sur les vidéos en Thaïlande et tout. Oh, oh, oh. C'est pas possible, pour moi c'est pas possible. C'est pas ma cam. On me l'avait déjà dit, hein, il y a des sujets qui marchent fort, hein, quand j'étais en Chine, la contrefaçon. Faites de la contrefaçon, prenez, il s'appelle le numéro 1 des produits chinois, le numéro 2 maintenant. AliExpress. Sa chaîne, elle a cartonné quand il a commencé à acheter des Nike, machin, sur AliExpress, qu'il les comparait avec les vrais, je sais pas trop, voilà. Nous, c'est presque les mêmes, machin, et tout, voilà. Sa chaîne, elle a pris un bon d'un coup. Et pareil, si vous parlez un peu des meubles, des machins comme ça, voilà. Il y a des sujets comme ça où, je vais pas dire que t'es sûr de faire mouche, mais t'es sûr de d'être un peu dans les tendances recherche et d'avoir une audience qui est plutôt sympathique. Bon, après, WTS, on en parlera tout à l'heure, dans l'autre sujet,
Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme je voulais. Moi qui voulais faire ma pleureuse, bah, ça marche pas. Tu as fait 220 vues alors que le monde n'est pas 300. Mais on en parlera tout à l'heure dans les sujets. Puisque là, il est temps de parler de Apple et de l'IA. Alors, vous l'avez vu, on bouffe de l'IA à tous les côtés. Hein, alors ChatGPT étant maître dans son royaume, hein, Game of Thrones, le GOAT, comme on dit. C'est une nouvelle expression de YouTube. Le GOAT, le Game of Thrones. C'est-à-dire, waouh, le mec qui est sur le trône. ChatGPT, leader. ChatGPT. Qui est aussi maintenant appartient en partie ou qui a été investi par Windows, comme tu veux, qui est dans Bing, un truc de ouf, et qui va être intégré dans le Windows et tout, et maintenant, avec des trucs un peu spectaculaires, comme le chat, machin, Bard l'avait fait aussi, je te pose des questions, tu me réponds, c'est incroyable et tout, ça parle, ça conférence, et les nouveaux ChatGPT, les nouveaux plugins, là, il y a un nouveau plugin qui est sorti hier ou avant-hier. C'était, oui, l'agent GPT, il y a un plugin agent GPT dans ChatGPT pour pouvoir gérer plusieurs, comme si t'avais, en fait, c'est comme si tu avais plusieurs chats en même temps. C'est-à-dire, tu dis un chat, on s'occupe de chercher l'information, un chat, on s'occupe de les points négatifs, un chat, machin. Et ben là, les agents, en fait, s'occupent de plus de ça et regroupent tout en un. Donc, quand Apple a lancé son, sa nouvelle conférence sur le WWDC, on les attendait un peu en disant « Ouah, ils vont nous pondre un truc en IA pour dire « Mais attendez les mecs, nous aussi, on est encore sur le dossier. Windows, vous n'avez rien inventé. Nous, on est Apple, on est les plus riches de la planète. On défonce le game. » Et malheureusement, il n'y a pas eu d'annonce, mais il y a eu des pistes. Hein ? Alors, les 10 points clés, ça, c'est merci de ChatGPT, parce que j'y fais. Va sur Internet, fais-moi un résumé de la conférence et trouve-moi tous les trucs où il y a de l'IA. Oui, monseigneur. C'est peut-être pas le Game of Thrones, mais voilà. Moi, je suis le bouffon. Alors, Vidéo Pro X7, le casque de réalité virtuelle, VR et réalité augmentée, utilise évidemment l'IA pour la réalité augmentée, c'est bien évident, parce qu'il prend l'image et il rajoute les trucs par-dessus pour que ce soit vrai. On est d'accord, pour le traitement des images, l'innovation sensorielle. Ah, ouais. Vision OS, un nouveau système d'exploitation VR d'Apple pour les Vision Pro X7, utilise probablement l'IA pour le suivi et l'interaction vocale avec le système. Parce que tu vas pouvoir lui parler. Tu parles faire le truc. Et il y a aussi une application comme ça où tu parles et ça retranscrit. C'est des choses qui sont vraiment liées à l'IA et pas de problème. MacBook Air 15 pouces. Alors là, ils se sont dit le M2, nouvelle puce. M2 Max, non, on va en mettre deux. Et deux M2 Max, on va faire le M2 Ultra. C'est une tuerie, apparemment. Je crois que même au niveau du GPU, ils disaient que ça n'a rien à envier aux choses comme ça. Le Mac Studio, les puissances sont équipées de plus M2 Ultra, l'IA est probablement utilisée pour optimiser les performances. Bah pour gérer deux CPU qui sont déjà les meilleurs CPU du marché, du monde, de l'univers. On met deux machins, je ne te raconte pas le bordel et tout. Journal d'app, c'est une nouvelle application d'utilisateur de consignes pour repenser l'IA. C'est utilisé pour analyser l'entrée du journal et fournir recommandations aperçues personnalisées. Un espèce de journal intime, mais on sent que c'est bardé d'IA, parce que tu vas presque pouvoir lui parler, pour écrire, lui donner des ordres et tout comme ça. C'est plutôt intéressant. Bon, iOS 17, bon, j'ai vu dans le truc, je m'en fous. iPadOS 17, ouais. WatchOS, ah, on verra bien ce qu'ils vont nous pondre. Alors, des nouveaux widgets et tout, mais pas vraiment, il y a le web. Et le FaceTime sur l'Apple TV, permet au de FaceTime TV, il probablement utiliser l'IA pour la fonctionnalité Center Stage qui garantit l'utilisateur d'être toujours au centre. En fait, il te suit, il y a le tracking et tout, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et en fait, là où moi j'apporte ma plume, parce que Game of Thrones, il n'a pas vu de ça, là où on attendait l'IA, c'est avec Siri. Le grand moment, Siri, c'est de la merde en barre. C'était bien au début, mais par rapport à la concurrence, machin. Et ce que j'ai mentionné dans l'article, c'est que ChatGPT maintenant a une application uniquement sur iOS et que dans ChatGPT maintenant, il y a la fonction vocale. C'est-à-dire que tu utilises le téléphone pour commander en vocal à ChatGPT, lui donner la fonction vocale, et ChatGPT te fait l'entretien et te met de l'audio et tout. Quoi. Il fait un Siri Ultra, quoi. Donc c'est vraiment... Donc là, on attendait l'IA au programme, non seulement pour un changement de... Alors, on attendait Siri, d'accord, avec un truc en disant ouais, nous on a mis de l'IA, vous allez voir notre nouveau Siri, enfin il est bien. Et voilà. Et alors ils font le truc sur Siri, ils disent voilà, Siri, ouais. Tout le monde dit ouais. Ouais, j'étais sur, on refait le Mac, moi, pour le live à 1h du matin. Nouveau Siri, ouais. Alors il dit le nouveau Siri s'appelle, vous n'avez plus besoin de dire, ouin ouin, vous dites juste ouin ouin. C'est tout, on passe à la suite. Bon, voilà. Il dit c'est tout. Alors, en fait, je crois qu'ils ne sont pas foutus de notre gueule. Je pense qu'il y avait vraiment un truc de prévu. C'est pas possible de faire un plan, de voilà, là on va parler de Siri et sortir juste ça. Ça, c'est de la merde. C'est juste. À mon avis, ils avaient vraiment prévu un gros truc. Et à mon avis, ça ne devait pas marcher jusqu'aux dernières minutes. Donc ils l'ont pas mis. Je pense qu'ils avaient vraiment un truc d'enfer à nous sortir et ils l'ont pas mis au dernier moment. Ils se sont dit bon bah on va juste dire au lieu de 1-1-1, c'est 1-1 maintenant. Voilà.
Mais je pense qu'il y avait vraiment un truc, et comme je vais, au lieu de mettre en avant comme une entité distincte d'Apple, alors là, enfin, c'est là. Hey Siri, pour invoquer la séance, n'y aurait-il pas quelque chose de prévu? A-t-il été annulé à la dernière minute parce que ce n'était pas prêt ou pas abouti entre l'application OS, ChatGPT, ajouté à la connexion? Ça, c'est ce que j'avais rajouté, parce que en ce temps où j'ai fait l'article, j'ai dit, attends, ChatGPT, il me sortait un truc, machin. Et ce qu'on peut voir, en fait, dans le résumé un petit peu de l'article, c'est que, en fait, tout est blindé de IA, mais ils nous ont pas fait un truc à la WoW en disant, tu sais, comme le truc WoW, c'est vraiment de discuter avec l'intelligence artificielle, qu'elle nous réponde, qu'elle aille chercher des trucs, et ça, on se dit, waouh, ça c'est génial, c'est une chose spéciale. Et en fait, ils en ont mis partout, mais ils en sont pas vantés en disant, ça, on fait ça avec de l'IA. C'est-à-dire qu'ils en ont, malgré ça, il y avait partout, même si elle ne donne pas au spectacle, au lieu de mettre en avant son IA comme une entité distincte et visible, Apple semble préférer l'intégrer de manière distincte et intuitive dans ses produits et services, la rendant presque invisible pour l'utilisateur final. De cette façon, l'IA améliore quotidiennement le quotidien de l'utilisateur sans qu'il s'en rende nécessairement compte. En résultat, continue à intégrer l'IA dans tous ses logiciels et toutes ses applications, que ce soit pour améliorer l'expérience de réalité mixte, le casque de vision, les performances de ses processeurs, l'interaction avec la nouvelle fonctionnalité iOS, iPadOS, choses comme ça, et dans l'écosystème Apple. Bien que de nombreuses fonctionnalités de produits aient été annoncées, Apple n'a pas explicitement mentionné comme IA a été utilisé dans chacun d'entre eux. Il est probable que l'entreprise continue à explorer de nouvelles façons d'utiliser l'IA pour améliorer encore plus l'expérience utilisateur avec, dans le futur. Et en fait, c'est là où, en regardant bien, et c'est là que j'aurais aimé voir ça sur pas mal de chaînes YouTube, malheureusement, ça ne doit pas être assez putaclic, c'est qu'en fait, l'IA est intégrée, mais de manière naturelle, comme si tu t'en rendais pas compte. Au lieu d'avoir un truc centré en disant « Ah, mais c'est ChatGPT qui fait ça, si, ça, il va vous aider à faire ça », il y en a partout. Ça va être naturel pour vous, ça veut dire que ça va évoluer un petit peu dans les fonctions, parce que même ceux qui utilisent WordPress comme moi, et ben dans le nouveau WordPress, et ben il y a dans le nouveau Jetpack de WordPress, enfin, normalement si vous avez WordPress, vous avez Jetpack, ce qui est un peu évident pour les stats, les machins, le SEO. Mais il y a une nouvelle fonction. D'accord. Et il y a une nouvelle fonction IA qui est vraiment intégrée à tout ça et tout. Et là, par contre, c'est flagrant. On vous dit, il y a ChatGPT qui gère cette partie-là. Apple a préféré le faire différemment. C'est très intelligent, puisque au lieu de vous vendre en disant prenez ça, il y a l'IA dedans, il vous dit prenez ça, maintenant ça fait ça. Voilà. Le discours est un peu différent et en fait, il dit quelque part, connaissant Apple, c'est beaucoup plus malin d'avoir présenté ça comme ça. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, en cherchant bien, il y a blindé d'IA, mais ils n'ont pas un nom d'une IA centralisée en disant Apple IA qui gère tout ça, elle fait ci, elle fait ça, elle fait. Non, non. Ils intègrent dans le machin et en y réfléchissant, on se dit, c'est quand même eux les boss. C'est pas Mathieu Vu, mais ça fait pareil. Vous me direz ce que vous en pensez dans commentaire. Bon, j'en étais où? J'en étais à Tému. C'est bon, donc là, c'est le son. Salut les jeunes. Alors, bonjour à Éducation Kéline. On va pas tout lire. Hein. Bonjour à Pepsor. Ça, c'est derrière, s'il y en a qui m'ont vu sur Rico, que je suivais sur le tour de moto, qui a essayé de monter sa chaîne et qui maintenant qui est en Thaïlande. Et il a fait un chat en live et je sais que maintenant, il est en Thaïlande. Alors, après, il a Koh Samui. Je vais sur le truc, puis je dis, hop, il me dit, voilà, ben, je suis en Thaïlande, il a acheté un ADV 350, donc j'écris un commentaire et tout, et là, ça va pas louper. La reta que je suis, plein de commentaires, hey, salut GLG, ah, salut GLG. En fait, il a lu un de mes commentaires, parce qu'à mon avis, il l'a lu vite, et il a lu mon commentaire, mais sans parler du. Normalement, il lit les pseudos, mais là, il a pas lu, parce que j'avais déjà écrit un commentaire quand il disait, il cherchait de l'aide et tout, il avait des problèmes de Mac, et tout, et je lui ai dit, écoute, dis-moi, t'es en Thaïlande, je peux t'aider, moi, j'ai du matos et tout, c'est pas trop loin. Et tout, et il n'a pas répondu. Et là, à mon avis, je pense qu'il a dû voir le commentaire parce qu'il est tous. Il a dit, et il a dû voir, et il a dû voir qui je suis. Et là, le fait, j'ai vu dans les commentaires, il a dit, ah, c'est GLG. Et il y en a un qui lui a mis, Rico, il y a GLG qui est là, non, 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 tout ça, c'est squeezé. C'est non, 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 il est passé à trappe et tout. Là. Je suis une resta, oui, parce que je me fais démasquer dans les chats de moto, c'est pas un peu évident, mais. Non, on sent que le copinage n'est pas facile. Hein. Quand on me dit, après, fais le partenariat avec les autres et tout, machin. Ben, tu vois, la preuve, c'est que même si lui voulu, lui pas tu. Donc, le son, ok. Bonjour à Pepstore. Bonjour à François. Kaishin, hello les gens. Grégosaur, Pilatan. Ou Grégophile. Ou Grégophage. C'est mieux. Hein.
Bon, j'allais pas en sortir d'autres, mais je vais garder pour moi. Pascal, bonjour. Tu connais Merej? Tu l'apprécies en vidéo? Le meilleur sur moi. Alors, oui, après, comme il le dit si bien, il a ses goûts et ses couleurs. Des fois, il défonce un peu des trucs où je me dis quand même. Puis des fois, il est un peu, toi, là, je sais plus ce que c'était. Rise of the Machine, là, t'es le nouveau Transformer. Il était quand même assez, ouais, c'est bien un truc. Il dit impartial, il y a des fois où je suis pas trop d'accord avec lui, puis des fois je suis vachement d'accord, des fois je regarde, je regarde pas. Mais j'aime bien son style, voilà, moi ça me fait marrer et tout. Après tu te sens un peu roux, c'est comme sur les toilettes et machin comme ça et tout. Mais j'aime bien son style, lui et Rage, toi c'est les deux que je regarde, que je, quand il y a des vidéos, je regarde. Quoique Rage, je sais pas, il me casse les couilles parce que il fait ses vidéos sponsorisées. Je sais pas comment il prend à chaque fois, mais putain, avec le nombre d'abonnés qu'il a, une vidéo sponsor avec, avec Ghost, il prend 500 balles. Il prend bien, il prend 1000 balles. Putain, il en met une à chaque vidéo. Je sais pas comment il fait, mais alors, chaque vidéo, c'est une vidéo sponsorisée par. En soi, il a un pack pour chaque vidéo et tout. Et... mais waouh, chaque pote. Hein. Mais après, c'est relou. C'est chaque fois, tu es obligé de passer. Bon, allez, on parle de WTS by GLG. Alors, je vous rappelle, j'ai une chaîne de vlog en Thaïlande. Alors, maintenant, c'est en Thaïlande. Avant, c'était... j'ai commencé, je vous rappelle, j'étais en Chine. On faisait les vidéos avec lui et tout. Après, ça profitait quand j'en ai fait quand j'étais un peu en France. On l'a fait avec Mathieu et tout. Et là, évidemment, c'est sur la Thaïlande. On essaie de faire quelque chose. Et bah, on va pas se mentir, ça marche pas. Ça marche plus. Ça a marché pendant un moment. Voilà. Après, ça marchait plus. Après, bah, du coup, on a mis du AdSense ou du AdWare là pour pousser un peu les vidéos et tout. Mais ça me coûtait beaucoup. Et les effets étaient complètement. C'est-à-dire qu'on faisait des vues parce qu'on payait du AdSense et que la vidéo devait apparaître dans les recommandations YouTube magnifiques, tu vois. Mais on prenait pas d'abonnés, et si on arrêtait de payer, on retombait comme une merde. Donc, bah, c'était bien sympa pendant un moment, et après, ça m'a gonflé. Parce que je me suis dit, je vais pas investir tout le temps du pognon là-dedans sur chaque vidéo, pour que, en fin de compte, ça ne marche pas. Voilà. Et en fait, du coup, je me suis dit, il faut se remettre en question, c'est pourquoi avant, ça vous plaisait bien les vidéos de temple, de machin, de trucs, et que là, ça marche plus. Voilà. Donc, première chose, quand on analyse un peu de jalousie. Bon, forcément, con comme je suis... quand je demande aux abonnés de me donner des Tipeee, je demande de donner des Tipeee. Ça marche? Je dis, maintenant, on va donner des Tipeee pour payer mes vacances. Mais évidemment, ça marche plus. À part Sébastien, les mecs veulent pas. Mais évidemment, oh ben en plus, t'aurais payé ses vacances à t'enculer. Voilà, bon, on dit ça comme ça, mais je comprends que les autres ne veulent pas donner en disant, ouais, on va lui donner de l'argent pour ses vacances, pour son plaisir, alors qu'il se gave, je veux dire. Seulement, j'aimerais bien. Mais voilà, donc je comprends bah, voilà, que la stratégie était pitoyable. Je veux faire des vidéos, je fais des vidéos, si on s'est dit, ouais, je fais des vidéos, je vous intéresse, on met les tipeurs au début des vidéos et tout. Non, les 1 euro, soit ils veulent pas se faire chier à faire un Tipeee pour payer 1 euro, soit aujourd'hui, sur Internet, tout est gratuit, il n'y a pas de raison qu'ils donnent ne serait-ce que un copec. Déjà, les pouces en l'air, c'est difficile, mais on est d'accord que... pas trend, oui, je suis pas dans les, je suis pas dans les tendances, je fais pas de sujet tendance. Et encore, de moins en moins. C'est vrai que si je faisais une des vidéos que j'ai fait pour tester la caméra à 60 ans, c'est la rue la plus chaude de Pattaya, c'est la vidéo, elle marche toujours, celle-là, à l'année. Voilà. Par contre, les temples, hein, tout ça, ça marche un peu moins bien. Et là, bah évidemment, parce que je suis une petite langue de pute, je fais ma vidéo du jour. Alors vas-y, je fais ma vidéo, je fais mon... voilà, je l'ai le programme. J'ai le programme, ChatGPT, avec ce programme, fais-moi un titre, une description... un article, des mots-clés, des machins. Et il me fait un titre pas mal de la cale d'un bateau à une île paradisiaque et tout. Je me dis, c'est vrai que j'aurais pas trop misé sur la cale du bateau. Je me dis, c'est putaclic, c'est pas la cale du bateau, c'était en dessous du bateau. C'est vrai que c'est la cale, mais il y a quand même des sièges et tout. Mais étonnamment, est-ce qu'il y a un peu de ça? La vignette, elle est pas folle, encore une fois. Mais est-ce qu'il y a un peu de ça? La vidéo, on est déjà à 223 vues depuis ce matin. À savoir, une des meilleures vidéos du dimanche, c'est 350 vues, tu vois, à peu près. Donc là, je me dis, putain, 223 vues depuis ce matin, et la vidéo continue, on fait 17 vues à l'heure. Parce que là, j'ai les stats, tu les vois dans mon replay, mais on est à 17 vues à l'heure, c'est-à-dire que là, toutes les heures, elle fait 17 vues, c'est pas beaucoup. Mais savoir que mon top, il est à 400 vues, que là, je suis déjà à 223, et que je prends 17 pendant toute la soirée, je me dis, waouh, quelque part, il y a bien une formule qui magique qui n'est pas. Donc certainement, on en reprend à ce qu'on parlait tout à l'heure, le titre, putaclic, la vignette, bien évidemment. En parlant des vignettes, il y a un mec que je suis abonné, il parle de l'actualité en Thaïlande, nanana. J'en suis plusieurs.
Et sur sa dernière vidéo, il a dit les choses à faire à Bangkok. Il a mis en train de filmer une baleine qui est en train de sauter comme ça. Et là, je me dis, à Bangkok, il y a des baleines. Donc, du coup, je clique. Non, parce que je suis conne. C'est du putaclic. Il faut mettre une baleine sur le l'eau pour dire, ah, il y a quoi à filmer à Bangkok. Et donc, du coup, Ah oui, mais ça a marché. Je sais pas combien il a fait de clics de vues. Alors, j'arrive 30 secondes. Après, je l'ai vu et tout. Bon, c'est de la news. Si tu suis un peu les Facebook et tout ça. Il marche bien en ce moment. Et tout le monde le fait. Autant ceux qui veulent faire. C'est les interviews putaclic. Je crois que la tendance aura été lancée par Sabritaille. Qui a explosé grâce à ça. En faisant des mecs. Ouais, il arrive en Thaïlande. Il a tout perdu. Il en a marre des meufs. Ou qu'il peut vivre avec 3000 et tout machin. Il a commencé à faire des titres un peu comme ça. Avec des interviews avec des gens aigris, pas aigris. Gentils, pas gentils. Voilà, le but c'est faire des interviews un peu disparates. Et ça a cartonné. Je fais la fois que on m'a dit, oh, cette vidéo, elle était 40, 50 000 vues. Enfin, c'est incroyable, voilà. Et donc, du coup, vous pouvez être sûr que Kat, l'ami de la Thaïlande, machin, qui faisait un peu des trucs pareils, il est tombé dedans, ouais, faire des interviews. Jean-Michel, il en a marre de se faire sodomiser par des ladyboys. Enfin, c'est pas ça qu'il cite, mais ouais, c'est un peu dans le genre truc comme ça et tout. Et donc, du coup, comme j'en ai fait deux ou trois comme ça, bim, la recommandation, ouais, machin, il dit que... Voilà, le titre, bien. Donc, du coup, voilà. En plus, moi, je suis en Thaïlande, donc c'est, je peux dire que c'est pire, mais t'as envie de savoir. T'es truc. Après, il te met un petit résumé du début pour te teaser les meilleurs moments et tout. Et après, on rentre dans l'interview, machin et tout. Ça cartonne. Ça. Alors après, c'est vraiment... pourquoi tu fais pas pareil? Parce que c'est pas du tout ma cam. Je me dis que c'est pas ma cam. La contrefaçon, les putes, les bars, Lolo, alors après, je préfère, truc de rencontre, machin, on avait interviewé une meuf. C'est pas ma cam du tout, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Alors ça marche peut-être pas ce que je fais, hein. Tant pis. Mais je fais, encore une fois, les reviews font vivre la boîte. Après le reste, voilà. Si ça me prend pas trop de temps et ça fait plaisir, je continue, mais voilà. Donc, et des vidéos trop longues. On l'a vu, je sais plus c'est quand parlait, c'est Micode quand parlait dans Underscore qui disait faire une vidéo, la vidéo il l'avait coupée parce que la vidéo était trop longue, il voulait faire une vidéo plus courte parce qu'il estime que 20-25 minutes c'était pas mal. Tu sais, il y en a un autre qui en parlait aussi qui disait ouais, c'est Lolo Cochet aussi qui en parlait, il disait faire des vidéos de plus de 25 minutes, on sait que les gens ils sont capables de suivre mais c'est trop long. On n'a pas le watch time, les gens les regardent plusieurs fois, machin et tout, il ne faut pas faire des vidéos trop longues. Et c'est pour ça que tous les WTS dans ce format là. Parce que le format, il commence à être bien, là. Hein. Mine de rien, j'ai beaucoup moins filmé, mais la vidéo, une journée, 25 minutes, on est pas mal, hein. Et ça me donne beaucoup d'idées sur la vidéo, par exemple. Voilà. Et le trend, voilà, donc le trend, c'est bien les tendances, les vidéos qui marchent en ce moment. Évidemment, à parler des putes à Pattaya, des bars, ça, c'est bingo, hein. Bingo, banco, la cagnotte, tout ça, tout ça. Et puis parler des gens, des expériences, tout, parce que tu vas attirer tous les aigris. Thaïlande, c'est nul. Tous les mecs, soit des mecs qui ont beaucoup, ont perdu beaucoup en Thaïlande parce que y a des erreurs à faire. Et le problème, c'est que moi aussi, le premier, mais bon, moi, comme j'ai une activité, j'ai des revenus et que je sais rebondir, je suis en pleine activité professionnelle. Bah, j'ai perdu beaucoup partout. Voilà, tu recommences, tu continues, tu te remontes tout doucement. Et puis voilà. Mais bon, après, si t'arrives que t'as vendu ta maison en France et t'as Laguna et que t'arrives et t'es un pactole et que tu perds tout d'un coup et que t'as une pauvre petite retraite, nanana. Et ben ouais, là, c'est compliqué de rebondir. Mais d'accord. Et après, ce qui marche en ce moment, on va pas te mentir, c'est les vidéos courtes. YouTube a beaucoup de mal hein, sur son concept de faire des vidéos courtes, à les lancer et tout. Mais malgré tout, quand on prend mon top vidéo, par exemple, ma vidéo du jour, elle est à 100... Ah, attends, je vais rafraîchir, elle est à 66 vues. Un peu plus là. Non, ma vidéo du jour, par exemple. 186 vues, parce qu'il y a toujours un décalage entre moi et les stats que j'entends réel, ça moi en temps réel, j'ai 224. Pour mon admin, j'ai plus que 186. Et vous, si vous allez sur WTS, il y a peut-être que 100 vues, tu vois. Si on prend la vidéo... elle est où? La vidéo addiction aux capsules, 302 vues. Si on prend le Havre de paix à Bangkok, 1287 vues le short. Ah, merde. Short. Voilà. 195, 241, 203, 202, 371. Essai de la surroute de la trottinette, 1005.
100, 400, 66, 300, 400, 500, 400, 400, 608, 309, 500. Voilà. Donc chaque short, chaque vidéo short fait entre, vous avez vu, entre 150 et des fois 1000 messages. Les vidéos qui ont fait 2-3 000 vues, qui sont dingues dans les vidéos short, parce que encore une fois, YouTube te donne ta chance sur une centaine de vues. Si sur les 100 vues, il y a au moins 25% qui regardent la vidéo en entière, c'est-à-dire qu'ils ne la splissent pas pour une autre, c'est nul. Il relance encore un coup comme ça. Et ça peut durer pendant plusieurs cycles et c'est quand même plutôt pas mal. Et si on prend par rapport à avant où je ne prenais aucun abonné, mais vraiment aucun abonné, c'est-à-dire que je prenais un abonné de temps en temps, depuis que j'ai fait des vidéos short, sur les 30 derniers jours, sur les 28 derniers jours, j'ai pris 33 abonnés. J'étais à 35 tout à l'heure, mais voilà, c'est comme ça. J'ai pris 33 abonnés. Donc quelque part, on a des nouveaux abonnés grâce aux shorts. Donc, force est de constater que, un, le titre est très important, plus qu'on le croit. Encore plus la vignette, mais ça, il faut que je bosse, mais pour WTS, j'ai pas trop l'envie de faire du trop putaclic, mais plutôt dans les articles comme ça. Le format beaucoup plus court et encore une fois les tendances. Donc, voilà, la vidéo WTS aujourd'hui, elle fonctionne, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de, voilà, de casser ma théorie, mais voilà. Donc, est-ce que WTS, je vais continuer? Oui. Est-ce que je vais continuer dans cette. Est-ce que je vais faire évoluer mon format? Oui. Aider à participer avec les Tipeee et tout, on voit bien que ça marche pas, pas déconner. Je comprends, vous voulez pas donner de l'argent pour me payer mes vacances. Après, vous faire participer au truc, non. Maintenant, Tipeee, on est plus passé sur des paliers. On prend, on dit les 100 premiers euros, c'est pour mon petit plaisir personnel, notamment pour les WTS et machin comme ça. Et tout ce qui est au-dessus du Tipeee, eh ben, on achètera, on fera un sondage à la fin du mois, c'est-à-dire début du mois, on dit voilà, on a fait, je sais pas si on a fait 150 euros, et avec les 50 euros, vous les achetez de quoi? Et on fera un sondage, je demanderai au tipeur, je voulais que j'achète quoi? On achètera du Mi Board, du machin, parce qu'on me demande d'acheter du OnePlus. Moi, je veux bien, mais c'est 200 balles, hein, OnePlus, tu vois. Donc voilà. Donc, on va continuer comme ça. L'intérêt, encore une fois, contrairement à l'autre bourricot, je pêchais toujours un bourricot par terre qui vient. Ouais, sur YouTube, t'es toujours là, tu fais la même chose, t'as pas évolué, c'est nul. Bah si, la preuve, c'est que je sais pas ce que c'est parce que j'ai évolué que je suis encore là. Sinon, il y en a beaucoup qui ont arrêté le dossier, qui ont lâché le morceau. Donc c'est bien la preuve que ça fonctionne encore un petit peu. Mais WTS se doit d'évoluer, de changer. Et de trouver un format qui permettra d'attirer un peu plus, puisque aujourd'hui le WTS, c'est ce qui. Peut-être que les 35 que je fais par mois WTS sont peut-être là en même temps. Hein, ah, bah, tiens, il y a un truc le dimanche, et du coup, ils le regardent. Et c'est peut-être le WTS qui attire une nouvelle audience qui permettra de remonter mon format du dimanche. Vous avez des suggestions, des théories? On en parle bien évidemment. Allez, on parle des films et séries télé de la semaine. Et on commence par le pire et on finit par le meilleur, bien évidemment. Le pire! C'est bien évidemment la série Abyss. Même ce mois, hein, j'ai rien dit, série Abyss, je me dis, oh, ils ont fait une série par rapport au livre. Et moi, j'étais parti sur le film Abyss. Je crois que c'est pas un Spielberg. Voilà. Le film Abyss, ils sont dans l'eau et t'as le truc, t'as la plateforme qui remonte. Le film était incroyable. Abyss. Je dis, oh, ils ont fait une série télé, pas mal. Et après, je commence à regarder le synopsis, il y avait marqué Accessible de France. Hein? Ah bah elle a joué dans une série américaine et tout. Et en fait pas du tout. C'est un truc européen financé par, par France 2 et tout. Bon, j'ai quand même regardé le premier épisode. Bon, c'est cheapos la française, hein, encore une fois. Mais ça va. C'est pas trop cheapos. Ils auraient pu faire pire, tu vois. On voit les dauphins, à un moment, on voit la baleine qui casse le bateau dans le premier épisode et tout. C'est bien fait. Voilà. Ouais, c'est pas ouf, encore une fois, mais c'est bien fait. Les méduses, le truc. C'est pas trop mal, un peu de sexe et tout, tu vois. Mais voilà. Moi, j'ai regardé la fin du premier et puis je me suis dit, ouais, c'est pas possible. Il y a trop de séries maintenant, il y a trop de séries américaines. Je n'ai pas pu. Est-ce qu'il y en a qui ont persévéré avec Abyss qui sont tapés la saison là? Parce que c'est disponible, mais t'as l'air compliqué. Ça a l'air compliqué cette histoire. Peut-être pour la télé France 2, ça peut être sympa. Mais là. Moi, je me suis déchargé la saison complète. Poubelle directe. Allez, deuxième. Ah, nouvelle série sur Netflix. Alors, je sais pas si vous allez la voir. C'est uniquement en anglais avec les sous-titres français. Ça s'appelle Tex-Mex Motor. Et en regardant bien un peu sur Internet, en fait, vous savez, Netflix doit acheter du contenu. Alors, il achète soit des saisons de séries télé, soit des saisons de machin comme ça. De voitures. Ils achètent des voitures au Mexique, ils les retapent et ils les revendent aux États-Unis, tout machin. Et on se doute que les séries, que les trucs, les formats comme ça un peu, ouais, j'ai acheté une voiture,
complètement au Mexique, complètement défoncé. Oh, on a trouvé un rat dedans, voilà. Et il les retape et tout. On comprend que ces formats doivent être bien moins chers à acheter et à produire que des séries télé. Même Abyss. Donc, il mise là-dessus. Bon, c'est pas on voit que c'est scénarisé à fond les ballons. C'est-à-dire que l'autre, il se fait... Dès le premier épisode, il se fait escroquer, on lui pique les trucs. Ah, mais je devais de l'argent à mon ami. Il a pris les trucs en... Mais le mec, tu le défonces, tu vois ce que je veux dire. Là, oh, bah, c'est pas grave, on va faire... Voilà. Bon, pas mal de trucs, ils achètent les produits, ils trouvent un moment... poisson et tout. Il était trop scénarisé, on voit les gens et tout. Bon, ça fait trop pas naturel, c'est très scénarisé, mais en même temps, comme tous les trucs Netflix, mais bon, là... Comme il y a un petit côté mexicain, je pense que ça doit être vraiment une série qui a été faite entre le Mexique et le Nouveau-Mexique. Ça doit être vraiment une série pas chère. Et voilà, même au niveau du montage, à un moment, ils sont en train de faire la voiture. Puis à la fin, les plans de coupe, c'est quand ils sont en train de monter l'aile, alors que l'aile est déjà montée peinte le plan d'avant. Quoi. Bon, les typos, c'est pas super bien fait, mais voilà. Sur Netflix, ça passe bien. Et personnellement, ça va. Ça fera pas mon bonheur, mais si vous l'avez sur Netflix, n'hésitez pas à me le dire. Fast and Furious 10, bien évidemment, qui est disponible maintenant sur tous les réseaux sur lesquels tu n'as pas le droit d'aller. Mais je te le donne pour des raisons d'information. Alors, il y avait plein de versions un peu relou, puis il y a la version Blu-ray à 6Go, machin, qui est très bien, très propre, en français. Tu peux même mettre du sous-titre en français, anglais et tout. C'est le genre de truc que j'aurais pas regardé au cinéma. Et 2h20 et comment c'est truc, je dis 2h20 portable. C'est insupportable. C'est pas trop mal. Au niveau, après, ouais, il y a des moments en CGI avec les bagnoles et tout, tu te dis, c'est dégueulasse quand même. Mais quand même, les mecs, c'est mal fait, c'est dégueulasse et tout, tu vois trop, tu dis quand même, ils ont les moyens, enfin bon, ouais. Après, Vin Diesel, je peux plus encadrer. Autant, dans Riddick, moi je l'ai connu dans Riddick et tout, c'est vraiment Riddick 1 ou 2, je crois qu'il y en avait un 3, je crois. C'est fou, vraiment. Là, je peux pas le mettre en peinture. Déjà, il y a plein d'histoires sur lui, je pense que ça joue là-dedans, mais. Je peux pas le voir en peinture, ce gros là, ressemble à rien et tout. Je peux pas l'encadrer, voilà. Et après, Momora, j'aime bien aussi, mais là ils lui ont donné un putain de rôle à la con là. La moto, tire l'anglais. C'est horrible, c'est horrible. J'ai tenu une heure. Après je dis bon, je regarderai la suite plus tard. C'est sympa, il y a des bagnoles, il y a des cascades, c'est énorme à la Fast and Furious, mais c'est assez mal fait, c'est bizarrement joué, c'est... Même en laissant mon cerveau, en disant, allez, je me fais un truc, là, j'ai vendredi, je me fais ça, je regarde, et tout, c'est con, j'ai pas tenu, j'ai une heure, après j'ai regardé la télé, j'ai regardé des vidéos, là, il y a le Gumball qui commence, et tout, il y a plein de vidéos sur YouTube, et tout, voilà, vous me direz si vous l'avez vu au cinéma, ou si vous l'avez déjà vu sur Internet, et vous me direz ce que vous en pensez. Mon film de la semaine, bien évidemment, ça sera Coda sur Apple TV+, puisque il y a plein. Alors, il y a un nouveau film là avec Spider-Man, enfin, c'est l'acteur Jean Spider-Man, sur Apple TV là, cette semaine, qui a l'air pas mal, un thriller et tout. Je me suis dit, je le garde pour la semaine prochaine. Il y avait Coda. Voilà le synopsis, ouais, une fille qui est dans une famille de sourds, c'est-à-dire que son père est sourd-muet, sa mère est sourd-muette, son frère est sourd-muet, c'est il n'y a que elle qui entend et qui peut parler. Et elle se découvre une passion pour le chant et un talent. Évidemment, c'est la quête. Alors, elle refuse sa quête. On continue. Il y a une personne qui est là pour l'aider. Voilà, bon. Mais, comme tous les bons films. Et ben, j'ai regardé. Il a gagné plein de prix. Festival de Cannes. Plein de trucs et tout. Donc, je me suis dit, ça peut être... Et c'est vachement bien. C'est super. Les parents, ils sont frappés dingue de la fille et tout. Il y a des situations qui sont super loquaces et tout. C'est très, très sympa. C'est très, très frais. Je vous le conseille vraiment. Alors, évidemment, il y a beaucoup de moments qui sont sous-titres parce que bah, ils parlent en muet. Mais à des moments, le père, il parle au copain de la meuf et tout. Il lui explique un truc en sommet. Même si tu comprends pas, tu comprends. Tu vois. Et même le gamin, il a tout compris. Il y a plein de moments qui sont très, très beaux. C'est super bien fait. Il y a une histoire. La meuf, elle chante super bien et tout. J'ai passé un excellent moment. Donc, je vous inviterai à le regarder si vous avez Apple TV+, mais c'est vraiment un film qui est super, c'est bien, c'est frais, le prof de musique et tout, les parents sont muets, lui il est frappadingue, et elle aussi et tout, enfin, c'est très, moi j'ai passé un bon moment, je rigolais et tout, voilà, et ça, voilà, ça me fait plaisir de regarder ça, et je vous dis comme ça, et enfin, oui, je voulais vous mettre à la fin, il y a un nouveau film, The Expendable 4, bon, le problème, c'est que Expendable 4, c'est que les mecs, ils ont tous 70-80 ans, donc là, on sent qu'ils vont passer le relais à Jason Statham. Mais, comme dirait Merej dans sa critique, il y en a qui l'ont vu, bon, ils ont pris plein de l'argent. Là.
C'était très Fast and Furious, en sorte sur les voitures, les effets spéciaux, tu sais. Un peu discutable, mais pas mal de têtes d'affiche. Il y a Dolph Lundgren, je crois, aussi dedans. Il y a pas mal de bons acteurs, tu vois. Donc, bon, ça va être un film d'action. On sent qu'il y a 50 Cent et tout. Ah, on sent qu'ils ont pris le cachet, que l'histoire va pas être folle, le film va pas être super bien fait, et que la franchise va commencer à prendre un coup dans l'aile. Vous me direz ce que vous en pensez également de Expendable. Et moi, j'ai fini mon podcast pour le moment, donc j'arrête l'enregistrement. Je mets cette version-là, j'ai un nouveau titre, une nouvelle description en enlevant 3 minutes pour ChatGPT. Et moi, je vous reprends pour le fil du chat pour lire vos commentaires, vos remarques, vos suggestions. On se retrouve